Nouvelle soirée placée sous le signe de la boxe, ici Christian Delcourt, en compagnie comme toujours de... Monsieur Jean-Claude Bouquier. La tentative infructueuse, là, au visage. Sans danger pour Lewis. Oui, il pousse plusieurs fois en haut. Jean-Claude, une question nous brûle les lèvres. Ce soir, pour ce combat entre Mike Tyson et Lennox Lewis, qu'est-ce qui pourrait nous valoir un dénouement différent de leur rencontre précédente à Memphis en juin 2002, où Lennox avait gagné par KO? Justement, pas grand-chose. Le seul point en faveur de Tyson, c'est que c'est un bon puncher et que Lewis, il est déjà allé au tapis sur des coups isolés. Si Tyson arrive à placer une frappe dont il a le secret, alors il pourra l'emporter. Mais franchement, connaissant Tyson, connaissant la façon dont il fonctionne, je doute qu'il arrive à prendre ce combat par le bon bout. Lennox Lewis expédie une gauche terrible. Allez, reste mobile, ça va pas t'empaler. Bien lu par Lewis. Rex du droit, bien dans l'axe, mais évité. La gauche d'Iron Mike, bien appuyée. Comment a-t-il paré ce coup? Plus qu'une minute trente dans ce round. Les coups pleuvent actuellement, un enchaînement qui a fait mal. C'est sûr, il a marqué des points sur cet enchaînement. Et il a aussi marqué son adversaire. La garde reste bien en place. Oui, les deux jabs précis. Ah, la droite de Lewis, c'est splendide tout ça. Mike Tyson, l'homme de tous les extrêmes. Jean-Claude, vous avez bien une petite anecdote de poids à nous faire partager? Oui. Son entraîneur, Teddy Atlas, affirmait qu'à 12 ans, Tyson pesait déjà 86 kilos sans un gramme de graisse, c'est un 4 kilos. Et il était tellement surpris qu'il avait demandé à voir son extrême descendant. On va vous demander le vôtre aussi, Jean-Claude. Mais où est passé le round d'observation? Les présentations ont été vite faites. Incroyable de tels échanges de début du combat. C'est Noël avant l'heure. Et surtout que Noël arrivera derrière. J'ai hâte d'y être. Tyson, trouve l'ouverture, belle uppercut. Oui, il enchaîne bien. En plein visage. Bien joué, je le chaîne beaucoup. L'une d'eux qui touche la cible. Quelle droite superbe de Lewis. Oui, il place une nouvelle gauche. En haut et ça passe. Il encaisse, mais il place une bonne gauche derrière. Lewis place sa gauche. Paire de crochets en haut. Il touche à la tête sur cette gauche bien vissée. Avec du sang dans la bouche, il risque de manquer de souffle et de baisser d'un ton au niveau du rythme. Un uppercut qui rate la cible. Et un, et deux jabs. Ouh, l'uppercut à la pointe du menton. Uppercut des deux côtés. Remise, c'est bien. On assiste à un échange de haute volée. Ouh, l'uppercut qui fait mal. On l'a vu venir cet uppercut, mais il n'arrive pas. Il enchaîne, vite. Une nouvelle gauche. Lewis part ce coup sans problème. Puissant, la touche du gauche de Tyson. Les coups à la tête. Enchaîne avec le prochain. Le coup là, la gauche qui part. Oh, il cherche à travailler en haut sans succès.
encore un coup au visage paré. Bonne droite, par-dessus, belle précision. Et voilà, les boxeurs rentrent dans la dernière minute de ce round. Et comment dire, on ne s'est pas ennuyé, Jean-Claude. Oh que non, et les femmes non plus d'ailleurs. Mais ce n'est pas fini. Iron Mike a scellé une droite monstrueuse. Gauche très lourde de Lennox Lewis. Jolie droite plongeante, bien ajustée. Il rate sa cible. Ouh, quel impact! Quand la garde n'est pas au point, la punition est immédiate. Il a bien fait de la bloquer. Avec tout le poids du corps. Si tu restes encore à corps, mais ses affaires. Exploit. Et Tyson qui part ce coup. Super jab de Tyson. Belle réponse avec cette droite. Il avance plein son crochet. Gauche qui touche aussi. Lennox Lewis expédie une gauche terrible. Ce boxeur se fait rendre coup pour coup. Le coup au visage bien bloqué. Ton jeu de chambre, ton jeu de chambre. Répond par une bonne gauche. Oh, terrible droite de Tyson. Ah, ça doit être frustrant pour son adversaire. On aimerait voir autre chose que des accrochages. Iron Mike fait parler la poudre avec cette gauche. Les supérieurs qui touchent des deux côtés. Me voir ton cap. Respire. La gauche bien placée. Il l'a stoppé, tant mieux pour lui. Superbe séquence et ils se rendent coup pour coup. Oh, pas assez précis. Il tente le jab et enchaîne avec un deuxième. Quel uppercut, Jean-Claude. Belle droite qui arrive, pleine face. Le jab. Il prépare quelque chose. Oui, les deux coups. Lewis place sa gauche. Qui n'aboutit pas. Super séquence, très bel échange du percut. Le corps à corps, on s'y attendait. Il est vraiment à bout de force, il n'en peut plus. Ah, c'est sûr que ça va lui faire du bien. Ça va aussi lui permettre de faire défiler le chrono. Il cherche en haut, mais il brasse encore de l'air. Bonne défense de Tyson. Lewis bloque ce coup. Et coup en haut. Et un, et deux, c'est bon. Le jab qui touche, ça va compter. Raté ce coup. Allez, respire bien la foule. Détends. La gauche très lourde de Lennox Lewis. Il prépare quelque chose. Il l'enferme dans les cordes. La défense haute gêne son adversaire qui vise la tête. Il marque un point avec ce direct du droit. Lève-toi! Allez, le
Oh, et Ali qui se relève. On va voir s'il peut tenir. S'il arrive à contenir son adversaire et à éviter les coups, ça devrait passer. Il a décidé à continuer le combat. Oui, mais pour le moment, il faut qu'il récupère, il faut qu'il revienne dans le combat sans prendre de risques inutiles. Droite, mal en haut. Droite, bien vissée, par-dessus. Allez, il est sur pied après ce knockdown. Que doit-il faire désormais, Jean-Claude ? Tenir, hein, il doit rester à distance. Et s'il a encore des jambes, s'accrocher, venir encore à corps et gagner du temps. Bien défendu. Voilà, travail de loin. Une belle droite au visage. On sent qu'il cherche à appuyer les coups. Un enchaînement qui fait mal. La droite bien vissée. Raïm est sonné, incroyable. Quel retournement de situation. Pourra-t-il aller jusqu'au bout du round? Il s'est relâché et a baissé sa garde. C'est chacun son tour. Si on commet une erreur, on paye cash. Il casse le rythme. Protège-toi, bon sang. Travaille le corps. La gauche qui part à une vitesse. C'est terminé, Jean-Claude. L'arbitre a préféré arrêter le combat pour ne pas mettre la santé du boxeur en danger. Bien sûr, c'est la décision qui s'imposait. Rien à redire là-dessus. Ladies and gentlemen, the red balls are up to the fight by way of TKO.